C'est quoi ce t-shirt-là? Tu l'as déjà oublié! Oh, wow! T'as trouvé où est Charlie? On le cherche depuis 87! Dans un océan rempli d'étoiles, une petite planète remplie de plastique. Un couple des US est chassé pour désordre public. À côté, un pays étrangement trop gentil. Et un village accueillant rempli de mal-aimés. Le fils illégitime de Donald Trump, une expat jeune du Kentucky, un ado à la moustache molle non-genrée, un enfant génie et albinos, une feu mamie qu'ils veulent garder, un lecteur de nouvelles pété, une sirène pas chic, un intello mythomane, un extraterrestre. Voilà le village de la dombe! Le manchot lui dit, comme tu peux voir, ça m'a coûté un bras. Toi, tu nous as coûté notre Hey, demain, c'est notre soirée open mic. C'est comme une soirée normale, mais moins drôle. Ah non, il y a déjà trop de Maurice. 5 $ pour 2 heures de malaise, c'est un bon deal. Ah, je vous adore. À l'entracte, oubliez pas d'acheter votre moitié-moitié. Pourquoi on ferait pas un sketch tous ensemble? Arc, les sketchs, c'est comme les quatrièmes murs pis les marionnettes. Ok, d'abord. Mais vos numéros, ils parlent de quoi? Moi, d'astrophysique pis de cosmologie. C'est des solides gags de grand ours. Ok, mais commence par de l'humour de base. Genre, c'est quoi la différence entre moi pis ma blonde? Moi, elle m'a été originale. M'a parlé du fait que je suis noir, m'a fait des accents, pis finir avec un numéro chanté. Ok. Moi, je vais y aller avec ce qui demande le moins de job. Des jokes d'actualité. M'a juste lire les titres du Journal de Montréal. Les pailles! En manchette ce soir, pour rapporter fuck all à l'émission, c'est le moment Vox Pop, avec des morons dans la rue. Moi, quand il fait bien chaud, j'aime ça m'hydrater puis boire de l'eau. OK. Le bonheur, c'est dans les petites choses simples, comme écouter les rires des enfants dans la cour d'école. Wow! Moi, pour relaxer, je regarde les arbres ou les bébés chats. Si, ouais. Ouf! Bon, même si toutes les jokes ont été faites là-dessus, j'ai quand même envie de vous parler de ma réalité en tant qu'autochtone albinos paraplégique de 8 ans avec un doctorat. Ok. Pis toi, Spatu? Finalement, mon numéro va être un mélange de danse moderne pis de mime. Ce que tout le monde aime, finalement. Ça va être époustouflant! Une expérience multisensorielle! Ouais, multisensorielle, parce que ça va déplaire à tous les sens en même temps. Voici maintenant sur quoi l'humour ne sera plus toléré. L'immigration, les handicapés, l'adoption, l'environnement, la santé mentale, la chirurgie plastique, le gouvernement, Les armes à feu, les inégalités, les jérémies, les grosses, les maigres, les roux, les pauvres, les vedettes, les belles-mères, les lettres, les bouddhas, les brefs, les musules. Vite, éteins la TV avant qu'ils disent qu'on peut plus rire d'O.D. pis de Céline! Bienvenue à l'Open Mic! Soyez fins, sont pauvres! Tout ça pour dire que c'est pas parce que ta baguette est magique que tu peux manger comme une sandwich. C'est drôle! La prochaine invitée, elle mange du papier, des clous, du plastique, des Q-tips, mais elle est sans gluten. On accueille Belle! Je suis stressée, je mange. Je peux passer à travers une boîte de crayons, puis après, je fais de les plombs.
L'autre jour, mon médecin m'a dit j'en ai une bonne puis une mauvaise. La bonne, c'est que t'as pas d'autres maladies congénitales. La mauvaise, ben, c'est que ça se guérit pas d'être autochtone. C'est drôle, hein? Mon médecin, il a des études, mais il est quand même xénophobe. OK, j'en ai une autre. Savez-vous comment je fais pour avoir plein d'amis? J'ai une passe de stationnement. La médisance est la sœur de l'ignorance. La peur à son tour nous plonge dans la souffrance immobile. Ah, je me sens pas bien. Bon, les mesdames sont fâchées. Avez-vous vu le spectacle hier? Inacceptable! Selon les madames, manque de respect, gratuité, diffamation, trois mots que je viens tout juste d'apprendre. Bref, pour se fâcher avec moi, on a des témoins. Yolande, bonsoir! Bonsoir, Kevin! Allez, on aime ça ici, du monde faussement outré! Ben, Belle a parlé de boulimie d'objets, puis ça m'a fait mal pour les mains. Parce que vous êtes mince? Non. Votre mari est mince? Non, j'ai pas de mari. OK, merci, Yolande. Mais on veut des vrais frustrés! Barbarie des oiseaux à un moment donné. OK, c'est un problème? Ben, c'est de l'appropriation culturelle. OK, susceptible pour quelqu'un qui mange des vidanges? Parlant de déchets, l'intraterrestre, vous, êtes-vous fâché? Bonjour, Kevin. Merci de me recevoir. Et moi, y a rien qui m'a offensé hier. Quoi? C'était un show d'humour avec des blagues. Si les gens sont pas prêts à avoir un peu d'autodérision et sortir de leur zone de confort, sont tout simplement mieux de pas aller dans ce genre de soirée. Jésus-Christ, je peux pas croire qu'il y a rien que vous avez pas aimé! Le numéro du petit transsexuel. Parce qu'il est transsexuel, c'est ça? Non, c'était juste vraiment dégueulasse. Bon, l'humour, c'est pas pour nous, là. On est mieux de laisser ça aux professionnels. Je peux pas croire que j'ai reçu des menaces de mort pour une joke. Pourtant, on est quand même meilleur que Mario Jean. Il y a une leçon à tirer. Si jamais t'as envie de dire quelque chose de potentiellement blessant pour quelqu'un, va pas le dire sur scène. Faut aller sur Internet. Allô? 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 C'est qui? Ben c'est Belle des égouts! Ah non, pas encore toi! Tu m'as appelé hier pour que je rappe sur ton répondeur. Ce matin, tu m'appelles pour que je rappe un message de fête. Arrête de m'appeler pour que je rappe, là. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai envoyé mes bobettes pour que t'essayes. Ben oui, excuse-moi! C'est ma nouvelle passion, signer des bobettes sales de marionnettes LED. T'as-tu d'autres choses, princesse? J'ai des bonnes jokes pour ton projet show! What? C'est gratuit! Je suis pas humoriste, je chante dans vie, voyons. Fais-tu de l'Alzheimer? C'est une fois, un juif, un musulman, pis un gars, un blackface. Bon, à raccrocher. Ça doit être une erreur. Mais allez chez elle. Impossible. Impossible.